l'occasion de la fête de Noël, environ 300 enfants abandonnés de Bujumbura et de ses environs ont bénéficié samedi dernier d'une grande fête à l'église catholique du Mont Sillon. Ce fut une occasion pour donner un peu de joie d'une part à une partie de ces enfants qui sont toute l'année laissés à eux-mêmes et d'autre part d'aider les enfants des familles pauvres à célébrer Noël qui est, comme vous le savez, la fête de la nativité. Spécialement, nous avons invité les enfants de la rue d'ici, de la ville de Bujumbura, surtout tous les enfants qui se trouvent au marché central et aussi les enfants d'ici, de ce quartier de Gikungu, du Kangano, qui sont tout près d'ici, de Bujumbura rural. Ce sont, je ne sais pas, à peu près 300 enfants et avec qui nous voulons exprimer notre foi et surtout donner un moment de joie, un moment aussi pour partager ces jours de Noël. Les festivités ont démarré avec un moment de louange pour écouter le passage de la Bible qui raconte l'histoire de la naissance de l'enfant Jésus à Bethléem. Les enfants ont ensuite écouté les chansons de Noël avant de se retrouver dans la cour de l'église pour des séances de jeux et de danse. Une manière de leur permettre de se défouler et d'exprimer leur joie. Une joie que les bénévoles de l'église et le personnel militaire et civil de l'opération des Nations Unies au Burundi ont bien voulu partager avec les enfants. Ils se sont investis corps et âme pour rendre la fête agréable. Et pour nous, Noël c'est chaque jour. Mais pour les enfants, ce n'est pas chaque jour. Mais on voulait célébrer avec les enfants qui n'ont pas la possibilité de célébrer Noël normalement. Bon, j'ai accepté de rester ici toute la journée pour les montrer ces enfants de la rue qui ne sont pas sœurs, qu'elles sont avec eux. Et vous savez que Noël, c'est la fête des enfants. Pour montrer ces enfants l'amour que nous avons envers eux. Le moment le plus attendu par les enfants est celui du repas. Ils n'ont pas hésité à exprimer toute leur gratitude aux organisateurs qui leur ont permis d'avoir un repas copieux et complet. Tous ces enfants qui ont eu la chance de manger à leur faim sont rentrés chez eux avec des cadeaux. Certains ont bénéficié des culottes, des t-shirts, des chaussures et d'autres. Les plus petits ont obtenu, outre les effets vestimentaires, des jouets. C'était un moment d'intense émotion. Décidément, il ne se passe plus de jour sans que les médias fassent état des cas de violation de droits de l'homme commis par les forces de l'ordre. Les bureaux des défenseurs des droits de la personne humaine sont régulièrement saisis par des victimes qui affirment avoir été séquestrées. Au niveau de la ProDH, nous remarquons beaucoup de violations opérées surtout par la police nationale. Et la cause essentielle, c'est que ces policiers
sont à la recherche des FNL ou des collaborateurs. Nous, même ce matin, il y a eu un cas où les parents des victimes disaient que les enfants ont été enlevés. C'était des proches des enfants, c'était des 4 enfants orphelins qui ont été arrêtés. Là, il y a aussi des personnes qui sont arrêtées puis battues. Donc la torture est vraiment pratiquée ces derniers jours. Les autorités de la police nationale ne nient pas être au courant des éventuelles bavures opérées sur des civils, mais minimisent les faits. Les citoyens lynchés injustement ont le droit de porter plainte. Et c'est bien normal que dans un corps aussi volumineux que le nôtre, il y ait des brebis égalées. Et nous avons des policiers qui commettent des bavures, qui commettent des erreurs. Et seulement, ils ne sont pas tellement nombreux. Seulement, ce sont des cas qu'on rend suffisamment sensationnels. Et nous pensons que nous corrigeons au fur et à mesure que de ces cas se dévoilent. Tout citoyen a le droit de porter plainte contre un policier qui a outragé la loi. Il se présente à la police judiciaire pour dépôt de plainte. Et là, le circuit prend son cours normal. Au moment précis, rares sont les plaintes qui auraient déjà abouti. Mais selon les spécialistes, seule une vraie formation peut ramener sur le droit chemin les brebis égarées. La police burundaise, il faut qu'on lui accorde le péché de jeunesse, premièrement. Et deuxièmement, les bavures ne sont pas propres seulement à la police burundaise. Mais cela étant, il est clair qu'il y a un besoin patent de formation de la police burundaise. Et dans ce créneau de formation, nous nous sommes complètement impliqués afin de donner à la police burundaise un minimum de connaissances. Parce que les bavures dont vous parlez relèvent d'abord de la méconnaissance du métier de police et ensuite de la méconnaissance des droits de l'homme en général. L'action de l'ONUB va s'apesantir sur ces deux aspects. Donner aux éléments un minimum de connaissances de la fonction policière et ensuite contribuer à leur formation en matière des droits de l'homme. Le Burundi est l'un des pays des Grands Lacs, réputé pour la beauté de sa nature. Mais depuis quelques années, cet environnement qui fait la fierté des Burundais se dégrade de jour en jour. La gestion saine de l'environnement devient une préoccupation permanente. Malgré les efforts déployés, l'on constate avec beaucoup d'amertume une forte dégradation de l'environnement, particulièrement la pollution de l'eau, celle du lac Tanganyika. Les sources de cette pollution sont de plusieurs ordres. En grande partie, la source la plus probable de la pollution du lac, c'est les industries, notamment les eaux usées qui sont issues des industries à Bujumbura, mais aussi les eaux domestiques qui proviennent de la ville de Bujumbura, évidemment, mais aussi des autres agglomérations qui sont situées le long du lac Tanganyika. Il faut parler aussi des pesticides. Ça aussi, on en utilise beaucoup au Burundi maintenant dans l'agriculture. Et c'est une autre source qu'on peut citer comme étant une source de pollution du lac Tanganyika. À côté des industries, des déchets solides et de l'érosion, les animaux, notamment les vaches, contribuent aussi à la destruction des espaces verts et à la pollution des eaux du lac Tanganyika. Face à cette situation, le gouvernement burundais a pris des mesures de déguerpissement des vaches des abords du lac Tanganyika vers un autre site à Marinvia. Promesse a été faite aux propriétaires de vaches de mettre à leur disposition des militaires pour la sécurité de leurs biens. Kandi baguma barasa kandi ikintu nk'iki amazi ku nka ni yakenewe inka nyinshi ntizibona ntizituruka
undi wadushira haye amazi bakatwereka ngene ntazomi twine twase kugihina mugabo bo ni ibintu bikiri kure nivyo babona. La cohabitation entre les propriétaires des vaches et leurs voisins n'est pas sans difficulté. Abatoroba niko babona ko inkari imimo gisagara mugabo twiyebwe natwe twabuze uko tugira turazihungisha twarahunze uko abantu bahunze hamwe byo shoboka tugasura aho twaru matongo yacu bigashoboka si byiza gutunga inkari mu gisagara turabizi. Cependant, un consensus doit être trouvé car le lac Tanganyika est un écosystème très important pour le Burundi et au-delà de toute la région. Il faut donc trouver des solutions pour préserver la qualité des eaux du lac, mais surtout assainir l'environnement pour le bien-être de tous. Les solutions sont en train d'être trouvées. Il y a des problèmes parce que je crois qu'il y a des places pour que ce soit pour les humains, que ce soit pour les vaches. Ça, il faudra absolument que les gens se mettent ensemble pour trouver une solution qui arrange tout le monde. Mais il ne faudra pas qu'on laisse l'environnement continuer d'être dégradé comme ça. L'hôtel Méridien Source du Nil a abrité lundi dernier les cérémonies de lancement du programme de coopération 2005-2007 entre le gouvernement de la République du Burundi et le PNUD. Ce programme d'une enveloppe de 37 millions de dollars couvrira les activités de lutte contre la pauvreté, la réintégration des sinistrés, la bonne gouvernance et la lutte contre le VIH-SIDA. Le programme que nous avons le plaisir de lancer ce matin a pour socle le cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté qui définit les priorités du développement du Burundi en matière de développement. Le programme s'appuie sur les orientations du plan cadre d'assistance des Nations Unies, communément appelé UNDAF, qui constitue une réponse intégrée et cohérente de toutes les agences aux défis majeurs que le Burundi doit relever pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Le PNUD s'impliquera beaucoup plus à la bonne gouvernance et la réintégration des sinistrés, tandis que la lutte contre le sida sera exécutée par le gouvernement. Le PNUD apportera uniquement de l'assistance. L'appui du PNUD sera adapté au processus en cours et au programme du gouvernement, mais celui-ci devra identifier les priorités pour faciliter le déblocage des fonds. Nous sommes confiants quant à l'aboutissement heureux du programme, car la pertinence des domaines d'intervention ciblés et la démarche participative qui a été empruntée dans la définition des orientations stratégiques sont autant d'atouts qui renforcent l'appropriation et maximisent les chances de succès du programme. De façon spécifique, le programme va s'articuler autour de 4 sous-programmes. La gestion des politiques de croissance et de réduction de la pauvreté, la planification locale par l'appui à l'élaboration des plans locaux, le renforcement des capacités parlementaires et la relance du renforcement des capacités des élus locaux et enfin la promotion de l'égalité des genres et la lutte contre les injustices frappant la femme. Sur base des présentations que vous venez de suivre, vous conviendrez avec nous que le programme de coopération que nous lançons aujourd'hui cadre bien avec les programmes et les priorités du gouvernement en matière de paix, de bonne gouvernance, de reconstruction économique et sociale et de lutte contre le VIH-SIDA. Nous nous félicitons donc de ces bonnes relations de coopération et de l'engagement pris pour soutenir les Burundais face aux défis de la reconstruction et du développement. Le présent programme vient répondre en partie à la crise profonde que connaît le Burundi depuis plus de 10 années. Ces activités vont permettre ainsi de doter les institutions gouvernementales, les organisations communautaires et de la société civile des capacités requises pour faire face à la problématique des sinistrés et pour promouvoir la gouvernance locale.